Dans cette séance, du coup, nous allons faire donc notre lampe sur pied et nos lampes murales. Comme ça, on avance un petit peu là-dessus. Donc, pour les références, donc on a ici les lampes murales, mais la lampe sur pied, non. Donc, du coup, on va devoir la construire un petit peu nous-mêmes. Ah si, j'avais mis... non, excusez-moi, j'avais mis une référence, autant pour moi. Je croyais que j'avais pas mis. Voilà, donc on va essayer de faire quasiment la même chose, en fait, hein, du coup, que le guéridon, un petit peu. Hein. Donc, la slash... On va passer en vue de face, et du coup, l'abat-jour, on va le mettre, je pense, à 0.2. Ouais, 0.2, je pense que c'est pas mal, peut-être 0.25 en vrai. Ouais, 0.25, on va mettre 0.25. On va séparer donc du coup, ça et ça, oups, et la base, et séparer par sélection, voilà, je supprime la base. Et là, je vais prendre donc la loupe du dessus et je vais la scaler Shift Z, 0.5. Voilà, pour créer donc la structure de l'abat-jour. Ok ? Ensuite, on va faire un H pour l'instant. D'abord, bah non, on va finir ça. On va solidifier donc l'abat-jour. Donc ici, on va faire 0.002. Voilà. Peut-être un peu plus. Non, 0.02, c'est bien. Donc, plus rotation taille origine de géométrie. On active donc le bevel. Donc, 0.002. À diviser par 8. Voilà. On va mettre donc deux segments. On va activer donc une subdivision. Donc, CTRL 1. Donc, une fois. On active donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà. Et là, on valide donc le solidify dessus. Voilà. Pour avoir notre... Ah bah jour. Donc Q rotation taille, origine de la géométrie. Maintenant on va faire un H pour le cacher. Et là sur la structure ici, donc maintenant, on va étendre un petit peu donc la cime. Donc GZ 0.05, donc de 5 cm. Et là on va commencer à construire notre pied. Donc du coup on va faire un scale global d'abord. Donc on va passer en mode objet. Scale Shift Z 0.5. Voilà. Slash. Ouais. C'est pas mal. Donc ça sera notre socle. Et là, bah, même méthode en fait, hein, parce que du coup c'est un peu similaire au guéridon, vous voyez, un petit peu plus complexe peut-être, mais c'est un peu similaire. Donc là on va faire un CTRL R, snap, GZ 0.05. Voilà. Ensuite on a un CTRL R, encore une fois, GZ 0.05. Voilà. Et après on part en structure. Ouais, donc on va déjà s'occuper de ça. Donc là on va prendre donc, le socle, et séparer par sélection. Slash, slash, voilà. Donc la même méthode hein, que l'autre fois. Donc on va prendre ici, donc on va faire un F. On va prendre donc les deux surfaces. On va faire un inset 0.02. Voilà. On supprime. On fait un grid fill. Voilà. Là aussi, grid fill. On va activer donc le bevel. Donc 0.05 à diviser par 8. Avec deux segments. On active donc l'autolissage, les normales pondérées. Hop. Et là, on va commencer à construire donc notre structure. On va activer une subdivision aussi, hein, CTRL 1. Donc subdivision avant les normales pondérées. Hein. Voilà, comme ça on est propre. Donc là, on va faire un CTRL R, snap, GZ 0.02. Voilà. On va prendre donc le socle ici. Et hop. Extrusion scale Shift Z 1.02. En plus, on va mettre 1.03. Voilà. Ensuite, on a donc la structure interne. Donc, encore une fois, on va prendre donc ça, 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 ça. CTRL plus, CTRL plus. Loop tools, cercle. donc là, on va l'enfoncer un petit peu. Donc, GZ 0.01 en négatif. Un peu pas comme ça. Voilà, CTRL moins. Loop tools, oups. Loop tools, cercle. Voilà. Et là, on va laisser comme ça, ouais, pour le socle. Ensuite, donc la loupe de contour, on va la rapprocher un petit peu de nous. Donc là, on va faire un GG. Donc n'oubliez pas que tout le contour, en fait, il faut le sélectionner donc les quatre parties, hein, parce que du coup, il est divisé par les angles en triangle. Donc GG, on slide un peu. On reprend le coin, CTRL B. Et là, on augmente. Donc toujours avec le clipping, hein, donc vous augmentez ici. Hein. Donc là, on active donc, le clamp overlap. CTRL Z. Voilà, on refait un CTRL B, et là, on augmente. Voilà, tac. Et là, on va faire un... par contre, plus de loop, hein, parce que là, c'est pas assez. Donc, CTRL B. Hop. Et là, on met 5 loops. Hein. Voilà. On active, donc ici, Degenerate Dissolve, Merge by Distance. Ah, contre. C'est
c'est pas normal que ce soit aussi dense. Donc là, faut l'augmenter, mais pas... Parce qu'en fait, là, ouais, la loupe, elle peut pas atteindre le même stade, en fait. Donc là, on va juste rapprocher comme ça. Voilà, comme ça. Donc là, 0.0024 avec 5 loupes. Donc, Q, rotation, taille, origine de la géométrie. Voilà, comme ça, vous voyez, donc ça tronque la valeur ici. Donc, slash. Maintenant, on va prendre donc ça, point. On va faire un scale, shift Z. Voilà, le but, c'est qu'on atteigne donc vraiment la même structure. Donc là, on va prendre un snap, GZ, on snap, ici, scale, shift Z. Et le but, c'est d'atteindre à peu près le socle, là. Voilà, nickel. Donc là, c'est pas mal. Ouais. Maintenant, cette partie-là, donc on va la séparer aussi. Donc P, séparé par sélection. On cache donc la structure ici, slash. Voilà, on reprend donc ça, ça. Extrusion scale shift Z 0.02 négatif, donc là ça va faire, bah, on va faire comme ça, de toute façon c'est pas grave. Hop, on prend ça, U grid fill, U grid fill. Et là du coup le but ça va être donc de faire 1, 2, 3, 3 étages, donc on divise par 3. Voilà, sur ces 3 là donc on va faire un CTRL B. D'abord je vais scale, mais... D'abord on va scale. Non, on va faire d'abord le CTRL B. Ah, je sais pas. Attends, je réfléchis parce que du coup. Ah, si, il faut faire les étages d'abord. Donc là, on va prendre donc ça. On va prendre le centre. On va faire un CTRL plus. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Cinq fois. Là, on fait une extrusion scale shift Z 0.5. Voilà. Ensuite, celle-là, on va faire une. Extrusion avec ça du coup, voilà, extrusion scale shift Z 0.75, voilà, et là on va faire une extrusion avec ça, scale shift Z 0.85 normalement, voilà, comme ça on a donc les étages. Puis rotation taille origine de géométrie, on reprend donc notre mesh, on fait un degenerate dissolve merge de distance de 12. Et là, on va prendre notre arrondi. Donc, du coup, on va faire ici CTRL R, snap. Alors, des fois, il passe en rayon X sans aucune raison. Hein. C'est, je sais pas, c'est Blender. Faut pas chercher à comprendre. Donc là, on va prendre ça, ça, ça. On va faire un CTRL B. On va écarter de 0.005. Donc, ça fait 2. Donc, 0.0025, pardon. Voilà, avec deux loops hein, uniquement. Hop. Et là, on refait une extrusion scale shift Z et on rentre 2.9 à l'intérieur. Maintenant, on active donc le bevel, voilà, avec deux segments. Donc, vous laissez le bevel au max, hein, du coup, c'est pas gênant. On va activer donc la subdiv, donc CTRL 1. On active donc l'autolissage et normal pondéré. Voilà, et là, on est bon. Oula. J'ai voulu augmenter la subdiv alors que j'aurais pas dû. Bon, c'est pas grave, on va attendre. Fait une bêtise. Voilà, donc là on remet à 1 ici. Voilà. Donc là c'est pas mal. Ouais, ça c'est un peu fat par contre. On va faire un scale Z 1.05, je pense. Même plus. Scale 1.05 encore. Voilà, c'est le max. Donc 1.02. Voilà, comme ceci. Donc Q, rotation taille, origine géométrique. Ah, donc c'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est voilà, c'est pour s'y rapprocher un petit peu. Ensuite, on repasse donc ici, Alt H slash. Donc ça, maintenant, on va faire un scale. Donc de ce cylindre-là, scale shift Z 0.5. Pour arriver donc à la même structure. Et là, faut rescaler scale shift Z 0.5, encore une fois. Et pour arriver au centre ici. Donc maintenant, on va diviser donc par 2. Donc CTRL R GZ 0.02. Voilà. CTRL R G Z 0.005, CTRL R, snap, GZ 0.05, enfin 0.02, pardon. Voilà, CTRL R, snap, GZ 0.05, GZ 0.005, CTRL R, snap, GZ 0.02. Voilà, ensuite donc là pareil.
Ctrl R snap GZ 0.005. Ctrl R snap GZ 0.004 cette fois-ci. Hop, ensuite on a donc loop là et là, donc la Ctrl R snap GZ 0.04. Ctrl R au centre, voilà. Ensuite on arrive ici, donc Ctrl R. Ctrl R snap GZ 0.005. Ctrl R snap GZ 0.01. Voilà, Ctrl R snap GZ 0.05. Voilà. Donc là on a ici donc la structure. Ensuite ça repart là. Donc tac tac tac. Ok. Donc là maintenant on va diviser par 2. On a ici. Donc là on va faire un Ctrl R snap GZ 0.05. Enfin 0.05. Putain, pourquoi j'ai oublié un 0. Ctrl R snap GZ 0.01. Ctrl R snap GZ 0.005. Voilà. Ensuite on décale dans Ctrl R snap GZ 0.1. Voilà, on arrive là. Ctrl R snap GZ 0.005. Ctrl R snap GZ 0.04. GZ 0.005. Voilà, on continue. Hop, GZ 0.04. GZ 0.005. Ctrl R snap GZ 0.02. Ctrl R snap GZ 0.005. Voilà, on continue encore une fois. Ctrl R snap GZ 0.04. Du coup, voilà, on refait GZ 0.005. GZ 0.01. Et 0.005. Voilà. Ensuite, à la cime, pareil, encore une fois. Donc là, tac. On va arriver à peu près ici. Hein. Hop. Et du coup, là, on va mettre... Alors, Ctrl R snap GZ 0.005. Ctrl R snap GZ 0.02. On met 0.02, hein. 0.02. On continue. GZ 0.005. Donc, là, on va faire un GZ 0.02. GZ 0.005. GZ 0.002. Voilà. Et hop, GZ 0.005. Voilà. Et après, donc la cime, là, on va faire juste en fait un GZ 0.03. Voilà. Et on divise par 3. Comme ça. Comme ça, on a la structure ici. Et là, on divise par 2. Voilà, nickel. Donc là, on a toutes les lignes de coupe. Donc on va faire un slash hein, pour l'isoler. Et on va commencer à construire un petit peu notre, notre structure. Donc on va commencer par le haut, à la limite. Donc là, je vais faire une extrusion sur la base. Donc là, on prend le contour, extrusion scale, shift Z. On rentre un petit peu à l'intérieur comme ça. Q, grid fill. Voilà, on va prendre donc le centre ici de mon pour mon ampoule. Et là, on va placer mon ampoule ici. Donc, Shift S curseur vers sélection. Je prends mon ampoule. Je viens faire un Shift S sélection vers curseur. Voilà. Je vais faire un GZ. Rotation X, pardon. 90. 580. Voilà, GZ. Et on va la monter un tout petit peu. Donc, de 0.01. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc là, le but, ça va être donc de faire un contre-plus ici. Faire un Loop Tools cercle. Scale Shift Z. On écarte un petit peu. Voilà. Et là, je fais une extrusion. Et du coup, je viens envelopper le cul, en fait, de mon ampoule. Voilà. On fait une extrusion ici. Extrusion Z vers le bas. Voilà. Peu importe. Hein, après, vous passez en rayon X hein, pour voir jusqu'où il faut aller. Voilà, donc là, c'est à peu près là. Hop. Et là, on est propre. Voilà, nickel. Donc maintenant on repasse en solide, hop, donc là je vais activer donc pareil donc le bevel par 2 avec une subdive en CTRL 1. Voilà, pour l'instant ça ressemble à rien, mais vous allez voir après que du coup on va tronquer les valeurs, donc ce sera propre. Donc normal pondéré, donc ça c'est ok. Voilà. Et là on va procéder par étapes parce qu'il y a quand même beaucoup de loops. Donc du coup faut faire gaffe.
Donc là, on est ici, donc là et là. Donc là, on va faire un contrôle. Ici, on a deux loops. Donc ça fait ça et ça. Ok. Donc là, je vais étendre cette boucle-là, en fait, un scale shift Z. Enfin, on va faire une explosion scale shift Z 1.5. Voilà. Et ensuite, on va étendre la loupe centrale, donc ici. Scale shift Z 1.2. Voilà, contrôle B. On a le clamping, rappelez-vous, hein, donc du coup, on va booster ici les cercles comme ça, donc à 5, et on va mettre 0.0445, voilà. Donc là, c'est bon. Ensuite, on a donc la structure ici, donc là, on va faire un contrôle R, snap, GZ 0.005, voilà. Et ça, il faut le descendre aussi, donc GZ 0.005, voilà. Comme ça, on prend donc ça. Hop, extrusion scale shift Z 0.9. Voilà. Ctrl R, scale shift Z 1.2. Ctrl B. Et là, on arrondit à peu près comme ça. Voilà, donc là, c'est 0.038. Enfin, on arrondit hein, toujours hein, les valeurs. Ensuite, on a donc la loupe ici. Donc là, on va faire un Ctrl R, scale shift Z à Z. Du coup, ça fait 0.75. Voilà, Ctrl B. On a aussi. Hop. Ensuite, on a donc la structure ici. Donc là, tac, tac. Donc là, on va faire une extrusion. Scale 1.2. Voilà. Ctrl R. Scale Shift Z 1.2. Ctrl B. On a reduit. Voilà. Ensuite, on arrive ici. Donc là, Ctrl R. Scale Shift Z 0.75. Ctrl B. On a reduit. Voilà. Là, c'est une extrusion à l'intérieur. Donc, ça, on prend ça. Extrusion scale shift Z, 0.75. Enfin, 0.9. Non, pourquoi je dis 0.9. Voilà. Ensuite, Ctrl R, scale shift Z, 0.75. Ctrl B. On arrondit. Voilà. Et après, on a la structure, donc là. Donc, ça et ça. Extrusion scale shift Z, 0.9. Voilà. Ctrl R, scale, shift Z, 1.2. Ctrl B. On arrondit. Voilà. Ensuite, on redescend. Donc là, on a donc une loupe à peu près ici. Donc là, c'est toute la structure ici. Hein. Ouf. Donc ça fait ça et ça. Ok. Donc là, hop, on prend donc les loupes. Là. Là. Hop, extrusion scale shift Z 1.9. Voilà, Ctrl R au centre, scale shift Z 1.2. Ctrl B. Voilà, donc là on a 0.038. Ensuite, pour là, c'est pareil. Hop, on comprend ça. Ça, ça, extrusion scale shift Z 1.9. Voilà, Ctrl R, Ctrl R. On prend donc les deux loops ici. Ctrl, scale shift Z 1.2. Ctrl B. On arrondit. Pas autant. Voilà. Ensuite, ça et ça. Donc, extrusion scale shift Z 0.9. Ctrl R, Ctrl R. Là, on va faire un scale shift Z 0.75. Donc là, je l'invente un peu. Hein. Franchement, là, j'ai pas. Là, je suis plus la référence. On essaie de faire des ornements un peu cool. Voilà. Toc toc. Là, c'est pas mal. Voilà. Après, on a donc toute la base. Hein. Donc ici, ça, par contre, on va la laisser comme c'est. Hein. Voilà. Et là, on va rajouter donc, une dernière loupe ici. Donc, tac. Tac. Extrusion scale shift Z 0.9. Voilà. Ctrl R. Scale 1.2. Hop. Ctrl B. Et on augmente notre bevel 0.038. Voilà, ensuite on connaît toute la tige, donc là c'est bon. Ça, du coup, bah, ça, lui, ça et ça. On va faire un scale shift Z 1.2. Voilà,
Là, je refais un extrusion scale, un shift Z, point 5, enfin un point 9. Pardon. Voilà, CTRL R. Shift Z 1.2. CTRL B. Ah, n'hésitez pas à sauvegarder en cours de route hein, parce que ça risque de planter là, vu la subdiv et tout. Mais on aurait meilleur temps d'enlever la subdivision pour l'instant en fait, hein, pour vraiment pas l'avoir parce que hein, c'est complicado. CTRL B, donc là on va adoucir donc ça. Hop, voilà. Là on peut refaire donc une petite extrusion ici. Scale Shift Z.9. Là aussi. Là aussi. Voilà, CTRL R, CTRL R, CTRL R, CTRL R. Là on va mettre 1.5. Donc Scale Shift Z 1.5. CTRL B. Et on arrondit le tout. Voilà, nickel. Et là, ouais, pas déconnant, franchement. On va rajouter un petit peu plein de... histoire d'avoir une position. Voilà, donc là, on rajoute de la place subdiv, effectivement. Hop, plus rotation taille. Origin the geometry. Et on vérifie donc là notre centre, ici. Donc là, normalement, on n'est pas trop mal. Hein. Ouais, au niveau de la structure, c'est nickel. Voilà. Donc là, le bevel, on va mettre à 89 pour le contour. Voilà, pour pas adoucir donc les angles. Et là, on est bon. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, donc là, pour tirer donc les tiges d'abat-jour, en fait, hein, ce que j'ai tendance à faire ici, c'est que là, on a donc notre cylindre, notre structure qui maintient donc l'abat-jour. D'accord ? Donc on va faire un CTRL R, CTRL B 0.05, enfin 0.005 à chaque fois. 0.005. Voilà, on enlève donc toutes les loupes, hein, donc on les met à 1. On fait un Shift D, P séparé par sélection. Voilà, maintenant cette structure-là, donc du coup, je vais la solidifier avant tous les autres mèches, enfin tous les autres modifieurs, pardon. Donc là tout en haut, hein, tac. Et là on va mettre moins 0.005, comme ceci, même moins, moins 0.002. Voilà, moins 0.002, ça fait une petite bague, vous voyez. On valide donc le solidify, là on met 0.002 à diviser par 8, voilà, et maintenant on va extruder 4 broches de ce cercle. Donc là en fait je prends normalement donc les deux centres ici, 3, voilà. Donc 3 le centre, CTRL 1 le centre, CTRL 3 le centre, voilà, je fais un inset, donc de 0.002, hein, peu importe, voilà. Et après, donc là, je fais un slash, et du coup, je regarde un petit peu où ça va. Donc là, on fait une extrusion scale, vous voyez. Et du coup, sur l'origine, en fait, hein, donc sur les origines individuelles, le but, c'est d'arriver jusqu'à l'abat-jour, en fait, en gros. Donc là, on va activer... bon, on va rien activer du tout. Donc, extrusion scale. Je vais enlever le snapping, par contre. Hein. Donc, extrusion scale. Ah. Attendez, parce que du coup, je suis pas sûr d'avoir toutes mes sélections, là. C'est bon. Donc extrusion, voilà. Hop. Et là, on arrive vraiment vers l'abat-jour. Donc avant de le dépasser, hein, juste avant. Voilà, et on laisse comme ça. Ensuite, en mode vertex, enfin en mode arête, pardon, je fais un scale global, donc sur les origines. Hein, donc scale Z 0. C'est Z ou c'est X? Parce que là, il faut que je regarde mes axes. Bah, sur l'origine du... Ah non, sur les normales, pardon. Voilà, sur les normales. Donc scale Z 0, voilà pour les aplatir hein, sur les normales. Et ensuite, en mode edit, on va venir snapper donc les faces sur la structure. D'accord ? Donc là on fait un GY, enfin GX pardon, et on snap sur la face. Ah, je suis pas sûr que ce soit très pertinent en fait, mais bon. Voilà, et après donc celle qui sort, en fait le but c'est de les mettre à l'intérieur en gros quoi. Donc GX, snap. Je sais pas si ça marche en vrai. Ah, parce que c'est trop... Ah oui, on a une subdiv ici, dessus. J'avais oublié. Ouais, bah ça marche pas des masses, en fait. Ça marche pas des masses... Donc scale Z sur les normales. Scale Z 0,
Hop, voilà. Bah, fois, on va laisser comme ça, hein, la limite. Hein. Le but, c'est que juste ça dépasse pas là, en fait. Ah, donc, on va reculer juste celle qui dépasse. Les autres, c'est bon, hein, donc on va laisser comme ça. Donc, là, on prend donc les deux edges. Hein. Ah, on va faire un GZ. Un GX, pardon. Et on va les reculer sur la surface. Ah, ça va les tronquer un peu par rapport à la subdivue, mais c'est pas grave à la limite, quoi. Ah, vous faites ça sur les quatre coins, du coup. Donc, tac, tac. GY. Enfin, j'ai. Oui, c'est Y, donc deux fois. Hein. Voilà. Appareil, donc GXX en snap. Et là, GYY et on snap. Voilà, nickel. Donc, Q rotation de taille, origine de géométrie, et on est bon. Donc, ça, ça va être en métal noir. Donc, du coup, on va mettre ici. Donc, métal noir. Mon métal noir est pas si noir que ça, hein, franchement. On va le tronquer un peu, le métal noir, parce que là, c'est vraiment, vraiment pas ouf. Donc là, on va regarder en preview ce que ça donne un petit peu. Donc la lampe est allumée, hein, là. Donc après, il faudra l'éteindre de jour. Mais allumée, ça peut rendre pas mal, quoi, en vrai. Ça peut rendre pas mal. On va attendre la compilation des shaders, et comme ça, on regarde un peu ce que ça donne. Tout, 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 tout. Ouais, nickel. Donc là, pour la base jour, c'est un matériel assez particulier, puisque du coup, en fait, on va mettre ici, donc, pour l'instant, juste un matériel comme ça. On va prendre donc le Kun Base, hein, bien sûr. Hein. Kun PBR, on le duplique. Et là, on va mettre donc M à bas jour. Voilà. Et donc là, pour la base jour, en fait, c'est un petit peu particulier, puisque du coup, on va mettre donc une texture color, on va le mettre un peu jaunâtre, un peu comme ça. Voilà, donc, voilà, cette couleur-là. La MSRAO, donc du coup, ici, donc la spec, donc on passe en RGB. Hein. Donc la métallique, donc à 0, d'accord. La specular, on va la mettre à 0.2. Voilà, et la rogueness à 0.8. Voilà, donc ça, c'est métallique, spec, rogueness, ok. AO, on s'en fout. C'est à 1. Et après, donc là, il faut donner un petit peu de nuance, en fait. Donc là, c'est un peu trop jaune. On va le ternir un peu. Donc ici, au niveau de la Hue Saturation, on va enlever la saturation. Voilà, un peu comme ça. On va mettre à 0.55. Et donc, c'est là où ça se joue. En fait, c'est au niveau de l'alpha. Donc l'alpha que je n'ai pas mis ici, parce que du coup, normalement, c'est pas un shader d'alpha. Donc pour faire ça, on va devoir passer dans le nœud. Ouais, donc à la limite, on va faire autrement, excusez-moi. On va supprimer mon BSDF ici. On va recréer un matériel, donc M, un bas jour. Un bas jour, lampe, lampe, on s'en fout. Voilà, donc là, on met donc base color en active, donc l'ambient occlusion, donc A, 128. La couleur, donc comme j'ai dit, donc on va partir sur un jaune un peu terne. Un peu comme ça. La métallique, donc 0. La spec, donc à 0.2. Et la roughness à 0.8. Voilà, donc ça, c'est des valeurs neutres. Et ensuite, donc là, au niveau de la normale, donc ici, l'alpha, vous voyez, la transparence, on va mettre à 0.2 pour l'instant. Donc là, sur Eevee, on le voit pas, mais sur Cycles, on le verra. Donc là, si on passe sur Cycles, vous allez voir que du coup, donc l'abat-jour sera un peu transparent, et du coup, on va laisser passer la lumière qu'on a créée, en fait. Donc c'est ça le but, hein, parce que l'abat-jour, du coup, il cache pas. Sauf que là, c'est un peu trop, vous voyez, c'est trop trop transparent partout. Donc faudra créer une espèce de texture pour l'abat-jour. Donc ça, on le fera après, hein, pour les tissus, parce qu'il y a une petite partie sympa. Je sais pas si... Ouais, on pourrait le faire maintenant, à la limite. Hein. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant, comme ça, vous allez voir ça. On va faire tout le texturing de la lampe. Donc du coup, on fera pas les lampes murales, hein, mais c'est pas grave. Donc là, on passe sur Cycles, regardez. Et ici, donc dans votre dossier donc, de texture, vous avez donc un dossier avec donc du tissu, normalement. Voilà, tissu, vous voyez. Donc là, on a différents types de tissus. Hein, donc, vous sélectionnez un tissu plutôt neutre en termes de forme, donc en termes de matière. Donc, celui-ci, le 1, je crois qu'il est pas mal, parce que du coup, il est vraiment parfait pour ça, je crois.
Donc on va juste enlever donc les HDRI pour l'instant. Et je vais faire un slash pour voir tout. Voilà. Voilà, voilà, voilà ce qu'on a pour l'instant, d'accord. Donc là, on prend donc notre texture de tissu. Ok. Sauf que là, la texture de tissu, si je la raccorde, donc elle est noire, d'accord. Donc du coup, ce sera pas très parlant. Donc nous, ce qu'on va faire, on va la convertir. Donc pour convertir une texture en en matière, on va faire ici un converteur color ramp. Et là, en fait, on va changer donc la valeur de noir, parce que du coup, on a que du noir hein, quasiment. On va changer par contre la valeur de blanc, excusez-moi, et on va mettre donc du jaune. D'accord ? Donc le jaune qu'on avait au départ. Et vous voyez, là, ça le colorise automatiquement. Donc si on regarde en concret, on a ça, en fait. Voilà, pour l'instant. Donc là, c'est pas déplié hein, sur les UV, hein, donc on va le déplier aussi. Donc on va faire un slash. On va le déplier tout de suite. Donc pour déplier un abat-jour, donc c'est très simple, on prend donc ça, ça. Alors, donc l'intérieur, l'extérieur, voilà. On prend une ligne de contour au hasard. Donc là, en vue de face, on va prendre celle-là, par exemple. Voilà, et là, on recoupe les bases. Donc tac. On enlève donc la loupe du centre, la loupe du centre ici. Je l'ai enlevé là ? Non. Voilà. Ctrl E, marqué sim. Voilà. Et là, U, unwrap. Voilà. Et là, on a notre pattern. Donc, vous voyez en fait, donc là, la ligne de coupe hein, qui est ici. Donc là, c'est à cause du straighten. Donc n'oubliez pas de faire un straighten. Voilà, pour redresser. Ctrl A, Ctrl P. Ah, par contre, on a mal coupé quelque part. Alors, attendez, je vais enlever le bevel. On va enlever la subdiv pour l'instant. Où est-ce que j'ai mal coupé? Là, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon à l'arrière. Ok. Là, c'est bon, là, c'est bon. On contrôle E, marque sim. On recommence. Hein. U, unwrap. Voilà. Q, straighten. Voilà, nickel. Donc, contrôle A, contrôle P. Donc, on aura toujours une démarcation hein, de couture ici. Hein, ça, c'est normal. Parce que du coup, le pattern ne se suit pas. Mais vous voyez, là, c'est plutôt propre. Donc, maintenant qu'on a ça, on va éclaircir donc grandement hein, coup, les valeurs donc ici sombres. Voilà, pour récupérer un peu la texture de notre abat-jour. On va faire un CTRL-T donc à l'arrière pour avoir notre vecteur de placement. Et là, on va mettre à peu près 15. 15 en scale, hein, donc ici. Voilà, et 15 ici. Voilà, ce qui nous donne un pattern plutôt fin, mais cohérent. Et ensuite, on va transformer donc cette texture-là en masque alpha pour avoir donc la semi-transparence. Donc pour faire ça, on prend une color ramp. On connecte la couleur dessus. Donc là, si je fais un CTRL-SHIFT-CLIC, voilà ce que j'ai. Donc j'ai des nuances de noir et de blanc. On va augmenter le blanc au maximum et booster un petit peu le noir ici. Donc en gros, le noir, il faut qu'il soit vraiment léger en fait sur les interstices, hein, limite hein, sur les structures. Donc là, c'est beaucoup trop. Donc le noir, on va le mettre à 0.05, je pense. 0.005, pardon. À chaque fois, j'oublie un 0. Et là, celui-ci, donc le blanc, maintenant, on va mettre un 0.006. Voilà. Ouais, c'est pas assez. Donc, on va mettre 0.01. Il faut que je booste le blanc encore plus. Donc, on va mettre 0.055. Donc, si je mets 0.05, on va tester. Et que là, je booste les noirs un petit peu. Donc, 0.02. Ouais, c'est trop. 0.01. Ouais. Donc 0.01, on va mettre 0.011 en blanc. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. Hein. 0.015. 0.02. Ouais, 0.02, ça peut être pas mal. On va booster un peu les noirs encore. Donc 0.015. Voilà, et là, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, on a vraiment une grille, en fait, hein, une espèce de pattern de grille. Donc maintenant, ça, je le raccorde dans l'alpha. Donc du coup, je raccorde ici, donc dans la transparence. Et là, regardez ce que ça donne. Maintenant, CTRL-SHIFT-CLIC. On aura donc une semi-transparence. Donc là, on voit rien. On va retourner sur la scène. Donc slash, oui. On aura une semi-transparence sur le mesh. Donc ça, c'est pas mal. C'est limite un peu trop dense encore, je trouve. Parce qu'on voit trop au travers. Donc là, en fait, la couleur noire, on va la ternir un peu. On va la mettre en value à 0.5 pour avoir une semi-transparence dessus. Même moins encore, hein, 0.8. Le but, c'est vraiment pas de voir trop au travers. Voilà, comme ça, là, c'est pas mal. 0.8, c'est pas mal. Voilà, ça donne 20% de transparence. Ouais, là, c'est pas mal. Ouais, on peut laisser comme ça. Comme ça, on aura l'intérieur bien bright, et après, l'extérieur, il sera un peu moins bright. Mais du coup, ça propage la lumière.
Ouais, on peut laisser comme ça. Après, on va raccorder donc la normal map donc directement ici, donc normal OpenGL donc en no color. Donc là, on va mettre notre vecteur donc de normal map. On le connecte ici. Voilà, dans normal. On raccorde ça donc au vecteur. Voilà, et du coup, donc les valeurs de spec et rogné sont à les laisser comme ça hein, par défaut. Hein. Donc là, c'est pas. C'est parfait. On va peut-être augmenter un peu l'alpha. Là, on a 0.2 donc ici. Donc vous prenez le curseur, donc le dernier, et puis là, on va mettre 0.6, je pense, c'est pas mal. 0.6, voilà. Comme ça, on voit un peu au travers, mais pas trop. Et voilà, donc là on a notre lumière, vous voyez, donc ça propage bien sur l'abat-jour, hein, vous voyez en haut, hein, comme ça devrait, hein, donc c'est parfait. Et pareil pour le bas, en fait, hein, ça le propage vers le bas par rapport à l'abat-jour. Donc nickel, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, on va texturer donc notre pied, donc du coup, on va mettre du bois médium, encore une fois, hein, comme pour le guéridon. Voilà, hop, donc là je repasse en solide. On va sauvegarder un petit coin hein, au cas où ça plante. Et là, du coup, on va prendre donc ça, on va mettre donc du métal noir et du poids médium. Voilà. Donc là, le métal noir, donc on va le prendre ici. Hop, on va prendre donc le contour, CTRL plus. Voilà, on va prendre donc le socle ici. Plus, contrôle plus, contrôle plus. On assigne donc le métal noir donc là. Contrôle I. Et là, on assigne donc le bois médium. Donc maintenant, pour le dépiège B de ça, on va finir donc en select sharp edge, en mode edge, hein, pas en mode face, surtout pas. Donc en mode edge. Select sharp edge. Voilà. On prend, rappelez-vous, donc la structure donc au centre. Donc là, il faut prendre donc une ligne intérieure. Et là, à l'extérieur, on prend donc une ligne extérieure jusque là. Voilà. Là aussi. Tac. Et après, donc de là à là, en fait, hein, d'ici jusqu'en bas, on peut aller vraiment jusqu'en bas. Ouais, c'est pas français ce que j'ai dit, mais vous avez compris quoi. Enfin, on peut aller jusque là, quoi. Tac. CTRL E, marqué SIM. Voilà, après, il nous manque juste la loupe ici. Donc, extrusion scale, shift Z, on rentre à l'intérieur. À l'intérieur, je dis. Voilà. On fait un Q, grid fill. Voilà, et là, on prend la loupe ici, marque SIM. Et là, on est bon. On prend tout le mesh U unwrap. Voilà. Et là, le but, c'est de prendre donc, tous les cercles internes. Donc ici, celui-là, celui-là. Ouais, quoique, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. On va prendre juste les faces, en fait, hein, avec les faces... comment enfin, comme ça, en fait. Voilà, donc tous les cercles, vous les laissez tranquilles. On prend juste les lignes, d'accord. Les edges. Ah, donc ça, 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 ça. Hop. Ah, les ronds coupés aussi, hein, clairement, ça sert à rien de les avoir. Donc, tac, tac, tac. Ah, là, normalement, j'ai rien oublié, apparemment. Ah, si, là. Hop. Voilà, est-ce qu'il m'en manque? Ouais, un rond coupé là. Voilà, là c'est pas mal. Donc Q straighten. CTRL A, CTRL P. Voilà, nickel. Donc là c'est bon, donc slash. Maintenant pour le pied, pareil, hein, du coup même format. Donc slash, hop. On prend donc du coup select sharp edge. Hop. Et là on vient couper donc à partir du triangle, rappelez-vous, hein, donc le triangle est là. Donc on prend donc la ligne. Oups. Donc la ligne là. 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 Là, là. Donc là, avec Shift, hein, prenez pas les loops intérieures, parce que sinon, ça va être le bordel. Donc, tac, tac. CTRL E, marqué SIM. U, unwrap. Et là, pareil, même méthode, c'est qu'en fait, ici, on va faire un straighten sur tout, sauf les faces rondes. Donc, cette fois-ci, on fait un L, 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 L. CTRL I, U, straighten. Voilà. CTRL A, CTRL P. Là, on est bon. Slash. Et ensuite, sur le socle ici. Pareil, donc select sharp edge. Hop. On vient prendre donc le triangle ici. On part de là jusqu'en bas. Et on marque une cime. U unwrap. On fait un L, L. L, CTRL I. U straighten. CTRL A, CTRL P. Et voilà. Donc maintenant, on prend donc ça
Ça, on assigne donc le bois médium. CTRL-L, link materials. Voilà, on repasse en objet, on va faire un select link. Donc pas en objet, select, toujours. Link de material, on passe en edit. Voilà, on désélectionne tout, on sélectionne ici donc tout ce qui est le bois médium. Et là on va faire un CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Et là notre mèche est texturée, nickel. Alors prochaine étape donc du coup les lampes murales et puis après on va enchaîner donc, sur les canapés et les fauteuils. Donc merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao.